cela accompagné d'un CRS casseur. Bonjour. Ouais, bonjour. Alors, vous êtes un CRS et un casseur. Vous étiez sur les lieux des manifestations à Paris le 17 novembre dernier. Tout à fait. Comment avez-vous vécu ces manifestations en tant que CRS? C'est correct. Moi, j'ai bien vécu ces manifestations. En fait, moi, je fais partie de la section 12, donc la section casse. Le but, c'est nous, on se faufile parmi les gilets jaunes. Et puis, on essaie de casser des vitrines. Et puis, en même temps, je casse 2-3 tibias. Voilà, quoi. J'essaie de déblayer un peu la piste pour mes collègues. Alors, vous êtes dans la CRS, casseur. Est-ce qu'il n'y a pas un problème? On peut pas être les deux, si, on peut? C'est vrai qu'à un moment dans ma vie, j'ai eu des problèmes, j'ai eu des doutes. Je me suis dit, de quel côté de la barrière faut que je me situe. Puis après, au niveau du commissariat, on m'a filé des gélules. Maintenant, je vais mieux. Maintenant, je casse, je fracasse. En plus, j'ai une prime à la fin du mois, donc tout va bien, quoi. Alors, qu'est-ce que vous pensez du mouvement des gilets jaunes en ce moment? Tous les gens qui ne souhaitent pas casser les magasins, qui ne souhaitent pas casser... Non, faut que ça continue, parce que justement, nous, on s'ennuyait un peu dans la section 12, là. Et depuis les gilets jaunes, on s'amuse, hein. Ah, franchement, j'ai ressorti ma vieille matraque, là. Je m'éclate. Alors, on sait très bien que M. Benalla vous a aidé lors des premières manifestations. On a fait l'école ensemble, on a fait la même formation. Le premier mai, il était avec vous en CRS. Tout à fait. Qu'est-ce que vous... C'était mon casque, d'ailleurs, que je lui avais prêté. Qu'est-ce que Benalla a fait en tant que CRS le 1er mai? Est-ce que vous pouvez nous dire exactement? Alors, j'ai pas le droit de citer trop de sources d'informations, voyez-vous. Mais en tout cas, il était là, c'était pas par hasard. C'est tout ce que je peux dire. Est-ce que c'est vraiment, on lui a vraiment demandé d'être là ou il a été là alors qu'il ne devait pas être là? Bien sûr, il a été guidé comme un missile auto-guidé, monsieur Jean-René. Et pour revenir au gilet jaune, au mouvement, vous cassez, est-ce que vous n'avez pas peur des pertes et de tout ce que vous pourrez avoir derrière à payer? C'est vrai que j'ai eu pas mal de pertes, mais heureusement, la dernière fois, j'ai pensé à prendre un sac à dos avec moi. Comme ça, j'ai pu ramasser les iPhones, les machins, quand j'ai cassé la boutique Apple. Parce que c'est ça, c'est dommage de casser puis de rien ramasser. Donc là, j'ai pu ramasser des iPhones pour mes gamins. Et c'était content. On dit papa, merci. Ça fait plaisir. Et vous n'avez pas peur Parce qu'ils avaient honte quand j'étais CRS, hein, mes gamins. Hein. Et depuis que je suis casseur, ils me respectent. Est-ce que vous n'avez pas peur que la police vous rattrape? Mais je suis parti de la police, Jean-René, j'ai pas rendu mon badge. En fait, c'est comme Benalla, j'ai double badge. Badge casseur, badge CRS. Comme ça, je casse, et après, je t'arrête. Comme ça, j'ai double prime. Merci beaucoup, casseur CRS. Voilà, donc si vous avez des genoux à casser, des gens qui vous doivent des sous, des gens qui vous dérangent, qui vous bloquent devant votre entreprise, votre magasin ou votre rond-point, vous m'appelez, quoi. Merci, et je vous retrouve tout de suite pour la suite de cette émission. Pas de problème, j'en ai.